Alors, dans ce chapitre, je vous propose de parler un petit peu des propriétés qui ont un trait à la gestion de la typographie au niveau du CSS. Alors, je tiens tout de suite à le préciser, dans cette vidéo, je ne vais pas avoir une liste exhaustive où je vais vraiment tout vous donner. Il y a des tonnes et des tonnes de propriétés, et il y en a des assez utiles, et il y en a vraiment où on va l'utiliser qu'une seule fois en 10 ans. Donc, l'idée, c'est de vous montrer vraiment les propriétés les plus utiles. Ceci étant dit, si jamais un jour vous êtes confronté à un problème qu'on n'a pas forcément évoqué dans cette formation, il ne faudra pas hésiter à se documenter. Peut-être chercher sur votre moteur de recherche la question que vous vous posez, et si quelqu'un propose une propriété à utiliser, vous vous référez à la documentation en regardant la propriété qui correspond à ce que vous cherchez. Vous avez une autre documentation qui est plutôt pas mal, qui s'appelle devdocs.io, et vous avez un onglet CSS. Vous pouvez faire directement devdocs.io/css. L'avantage de cette documentation, c'est que vous pouvez chercher en live les choses. Par exemple, si vous avez besoin de plus d'informations sur la propriété color dont je vous parle depuis le début, ben vous tapez color, vous cliquez ensuite ici et on va vous montrer ben, les exemples et comment elles fonctionnent. En fait, cette page, c'est exactement la même page que celle de la documentation. J'aime bien juste devdoc.io parce que ça vous permet d'avoir une recherche qui est parfois un petit peu plus rapide et plus efficace. Mais vous reconnaissez, hein, c'est vraiment la même page. Donc ceci étant dit, on est parti. Donc notre idée, c'est de mettre un petit peu mieux en page ces différents textes, parce qu'on voit la typographie par défaut est pas forcément tip-top. Donc la première propriété que l'on va voir, et on l'a déjà vu, c'est la propriété color. Donc cette propriété permet de définir la couleur de texte qui est utilisée. Cette propriété peut prendre différentes valeurs, qui sont expliquées justement dans la documentation. Donc on a d'abord des valeurs globales, et on a notamment une valeur inherite. Donc il faut savoir que cette valeur, c'est la valeur qui est utilisée par défaut par la plupart des éléments. Ça veut dire que la couleur va être héritée de l'élément parent. Et c'est ce qui fait que lorsque on avait changé la couleur de body, tous les éléments changeaient de couleur. Donc l'avantage, c'est que si je souhaite changer la couleur, par exemple, de ma partie en tête, je n'ai pas à m'embêter à changer spécifiquement la couleur de chacun des éléments, mais simplement la couleur de la partie en tête. Et je peux lui dire, je veux une couleur blanche. D'ailleurs, la couleur peut être exprimée avec différentes valeurs. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, notamment pour cette partie-là. J'aimerais y rentrer un petit peu plus en profondeur. Donc, on aura une vidéo entièrement dédiée à la gestion des couleurs. Mais en général, c'est vraiment ce format-là que vous allez utiliser parce que dans les logiciels graphiques que vous allez utiliser, donc moi ici, j'utilise par exemple Figma, qui est un logiciel en ligne qui permet de faire des maquettes. Si vous utilisez un rectangle et que vous créez un rectangle, si vous souhaitez lui donner une couleur de fond, vous allez cliquer sur le système, choisir votre couleur qui vous convient, et automatiquement, il va vous donner cette valeur-là. C'est une valeur qu'on appelle une valeur hexadécimale. Si je prends par exemple ce texte-là, et que je regarde en bas, on voit que la couleur qui est donnée en hexadécimale. Donc c'est souvent ça que l'on va utiliser en CSS. Donc on parlera un petit peu plus de ce qui se cache derrière ces différentes lettres dans une vidéo séparée. Je préfère séparer les choses pour pas trop compliquer celle-là. Donc si je veux une couleur blanche comme ma maquette, pour cette partie-là, je peux mettre une couleur en mettant le nom de la couleur, ou si je veux être plus précis, je peux mettre la valeur hexadécimale. Donc ça sera un dièse suivi de trois lettres. Et dans ce cas-là, automatiquement, le texte apparaîtra en blanc. En revanche, il faut le savoir, les liens par défaut prennent une couleur bleue et s'ils sont visités, prennent une couleur violette. Donc, si vous voulez outrepasser ça, on peut se dire ici, je vais lui dire que tous les liens dans mon header, où je peux utiliser le sélecteur que j'avais déjà créé ici, auront une couleur blanche. Et dans ce cas-là, hop, ils deviendront blancs. Le problème, c'est que si demain je souhaite changer la couleur, je vais devoir changer les deux. Donc ce qui peut être plus intéressant de faire, c'est ici de mettre inherite. Ça veut dire, bon ben, n'écoute pas ce que te dit le navigateur, je veux que la couleur soit héritée du parent. Et dans ce cas-là, en maintenant changeant la couleur du parent, je peux changer dynamiquement la couleur de mes autres éléments. D'ailleurs, petit détail, ça a été rajouté assez récemment sur VS Code. Vous pouvez, lorsque vous passez sur une couleur, avoir ce color picker qui vous permet de choisir n'importe quelle couleur. Et automatiquement, il la mettra. Bon, il la mettra avec une autre syntaxe, mais ça peut être intéressant aussi. Bon, nous, on va rester sur ce blanc. Ensuite, une autre propriété qui a trait à la police, c'est la taille de la police. On le voit, nos textes ici ont une certaine taille et par contre, les titres sont plus grands. Si on inspecte ces éléments-là et qu'on regarde les styles imposés par les navigateurs, on va avoir une propriété particulière qui va être la propriété. Bon, c'est pas très visible, hein, on va plutôt le faire sur Chrome pour le coup. Je trouve qu'il le met un petit peu mieux en avant. On a la propriété font size. Font
font size va permettre de définir la taille de la police. Et on mettra ensuite une valeur avec une unité, donc en pixels ou dans d'autres valeurs. On parlera des unités de CSS un petit peu plus tard. Donc dans mon header, je peux lui dire toutes les polices vont faire 20 pixels. Et dans ce cas-là, tout sera plus gros. Donc ça peut être utile pour mettre les choses en avant. Typiquement, vous pouvez aussi vous référer à ce que vous avez fait sur votre maquette. Dans notre maquette ici, on voit que ce texte-là, on avait choisi une taille de police de 14 pixels. Donc si je veux faire quelque chose de proche par rapport à ce que j'ai fait sur ma maquette, je peux manuellement ici lui dire que pour mon header, on aura une taille de police de 15 pixels, 14 pixels. Et automatiquement, ça fonctionnera. Par contre, les titres sont automatiquement plus gros et ils font 150%, je crois, de la taille de la police normale. Donc si vous voulez outrepasser ça, ben, vous pouvez sélectionner manuellement votre titre. Donc nous, c'était header title et mettre une taille de police plus petite, 14 pixels. Donc après, vous faites un peu comme vous voulez, à vous de faire quelque chose qui corresponde à ce que vous souhaitez. Donc nous, pour l'instant, on ne va pas trop changer ça parce qu'on n'aime pas les titres qui sont trop petits. Et de la même manière, la taille de la police, je vais la retirer. Mais voilà, si vous souhaitez le modifier, c'est le font size. Il faut savoir que par défaut, les navigateurs mettent une taille de police sur le body. Et cette taille de police, elle n'est pas forcément commune. Si j'inspecte ici, vous voyez que j'ai une taille de police qui n'est pas forcément définie ici. En fait, elle est définie dans les paramètres de l'utilisateur. Donc il y a des gens, notamment des gens qui ont des problèmes visuels, qui peuvent choisir une taille de police par défaut différente. Et du coup, si vous ne mettez aucune taille de police, c'est la taille de police qui a été choisie par l'utilisateur qui sera utilisée. Une autre propriété qui va de pair avec la taille de police, c'est la hauteur de ligne, la line height. Alors là, c'est un petit peu particulier, je vais vous montrer un petit schéma, ça vous parlera un petit peu plus. Parce que ça, ce n'est pas propre forcément au CSS. Le principe de hauteur de ligne, c'est un principe qui est hérité de l'imprimerie, où on choisit une hauteur entre les différentes lignes. Donc la taille de police définit en fait la taille qu'il y a entre le haut d'une lettre en majuscule et le bas d'une lettre avec un symbole. La hauteur de ligne va déterminer la hauteur qu'il y a au niveau de nos caractères. Donc par défaut, hop, on le voit, tous nos éléments ne sont pas collés les uns aux autres. Donc on a une hauteur de ligne, je crois que les navigateurs mettent 120% par défaut, ou 140, je ne sais plus exactement. Mais si jamais vous changez cette valeur-là, ben, automatiquement, vous pouvez coller ou décoller les différentes lignes de texte. Donc nous, on va le faire par exemple pour la partie main. Donc, je vais aller sélectionner la partie main et je vais mettre une hauteur de ligne. Et la valeur peut avoir différentes unités. Elle peut être en pixels. Si je mets par exemple une hauteur de ligne de 16 pixels, ça veut dire que mes lignes auront comme hauteur la même taille que la police. Et on va mettre un font size de 16 pixels. En général, on ne voudra jamais faire ça, hein, parce que tout est collé. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une hauteur un petit peu plus grande pour faire respirer le texte et avoir une taille de police et avoir plus d'espace entre les lignes et que votre texte respire, entre guillemets. Si je mets 20 pixels, hop, on voit que c'est un peu plus espacé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une valeur qui est simplement un chiffre où 1 sera une fois la taille de la police. Si je mets 1, c'est équivalent à mettre 16 pixels. Si je mets 1,4, ça veut dire 140% de la taille de la police. Et donc ça permettra d'espacer. Donc en général, les bonnes règles en typographie, c'est de mettre entre 1,4 et 1,6. 1,6, là, ça risque d'être un petit peu gros. J'ai l'impression qu'il y a trop d'espace. Mais vous voyez que par défaut, les navigateurs mettant 1,2, les textes sont parfois un petit peu collés. Donc en mettant un peu plus d'espace, 1,4 notamment, ça permet de respirer. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre les choses globalement. Et dans ce cas-là, les mettre directement dans votre body. Dans ce cas-là, ça va affecter vraiment tous les textes. Donc ça affectera les paragraphes, effectivement, mais ça affecte aussi les différents titres. Donc vous voyez que vos H2, si vous regardez dans la partie mise en page, ils ont une hauteur de 33,6. Si vous changez la hauteur de ligne, ben, automatiquement, ces éléments vont avoir une hauteur qui va être plus petite. Parce que là, c'est une hauteur de ligne de 28,8 pixels. Voilà, donc ça peut être intéressant. Donc il faut bien faire attention à ça. Si vous ne précisez pas la hauteur des éléments, la hauteur de ligne va influencer sur la hauteur de vos éléments. Donc il faudra prendre en compte ça, notamment lorsque l'on se référera à des unités de mesure au niveau de la maquette. Si je vous donne un exemple, voilà, ici, lorsque je vais sélectionner, hop, ce texte-là, voilà, vous voyez que le cadre qui est autour, il prend en compte la hauteur de ligne. Donc quand je vais essayer de trouver la différence d'espace
qu'il va y avoir entre ça, entre ce bloc et ce bloc-là. Donc ici, il me dira 11, mais il faudra que je prenne en compte la hauteur de ligne. Donc ce sera un petit peu difficile, il faudra faire attention à ça. Souvent, c'est générateur d'erreur. Ensuite, une autre propriété qui, elle, peut être utile, mais pour être honnête, je l'utilise assez rarement, c'est le letter spacing. Le letter spacing vous permet de spécifier la distance qu'il va y avoir entre les lettres. Si je mets un pixel, vous allez voir que toutes mes lettres vont être un petit peu plus espacées. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va utiliser spécifiquement. Bon, là, c'est complètement débile, mais dans le cas où on aurait des polices où les choses sont un peu trop serrées par défaut. Donc en mettant un letter spacing, vous pouvez même mettre une valeur avec des virgules, ça peut vous permettre d'espacer un petit peu plus le texte et de le faire respirer un petit peu plus. Donc là, encore une fois, il faudra faire attention, soit l'appliquer localement dans certains cas, soit l'appliquer globalement. Bon, je vais vous le laisser ici, comme ça vous l'aurez toujours en pense-bête. Ensuite, pour continuer à parler des lettres, vous avez le font family. Donc ça, c'est une propriété super importante qui vous permet de définir la police à utiliser. Donc vous le savez, si vous avez déjà travaillé sur un logiciel type Word, vous avez les possibilités de changer la police pour mettre des polices plus ou moins rigolotes. Dans le cas du web, c'est un peu plus compliqué parce que votre site est destiné à être vu et consulté sur plein de périphériques différents. Des ordinateurs équipés de macOS, des mobiles équipés de iOS ou d'Android et des tablettes qui n'ont pas forcément le même système d'exploitation et qui n'ont pas forcément les mêmes polices. Donc si vous choisissez par exemple d'utiliser la police Comic Sans, qui est la fameuse police toute rondouillette de Windows, le problème de cette police, c'est que elle existe sur les ordinateurs, d'ailleurs c'est sans MS, hop. Elle existe sur mon ordinateur à moi, mais rien ne me dit qu'elle existera sur l'ordinateur de mon voisin. Donc je ne peux pas forcément utiliser ces polices-là. Ce qu'il faudra faire, c'est toujours donner une police à utiliser par défaut. Donc vous pouvez mettre là une liste de polices que vous souhaitez utiliser. Donc vous pouvez par exemple utiliser Helvetica et automatiquement le système prendra la première police. S'il ne l'a pas, il prendra la seconde police et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que vous devez finir par faire, c'est mettre juste sans sérif ou sérif. Donc là, ça veut dire que le système prendra automatiquement une police sans sérif ou une police sérif à utiliser, peu importe laquelle. Si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre du sans sérif et du sérif, je vais vous montrer ça tout de suite. On va mettre un font size de 60 pixels. Comme ça permettra de bien voir les choses. Sans sérif, c'est une police qui n'a pas des petites courbes en fait à la fin des lettres. Si vous mettez une police sérif, dans ce cas-là, il utilisera, voilà, ces polices, vous savez, qui ont des petites barres ou des choses comme ça. Donc pour du texte, en général, des textes assez longs, on aime bien mettre du sérif, c'est ce qu'on retrouve dans des livres ou ce genre de choses. Et pour des titres ou des textes courts, on utilisera plutôt du sans sérif. Si la police n'est pas forcément importante, précisez juste vraiment le type de police que vous souhaitez utiliser et laissez le système faire son travail. Donc dans ce cas-là, notre système met une police sans sérif et ça ressemble à quelque chose comme ça. Dans le cas de la maquette que l'on souhaite intégrer, si on inspecte ces éléments-là, vous voyez que la police qui est utilisée, c'est source code pro. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre ici, je veux utiliser source code sans plutôt pro. Et ensuite, si tu ne la trouves pas, tu utilises sans sérif. Dans le cas de cette police-là, ce n'est pas une police standard. Donc il faudra l'importer en utilisant un autre processus qu'on verra dans une autre vidéo. C'est ce qu'ils appellent le font family. Et on pourra même utiliser des services tiers tels que Google Font. Mais pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à ça. Mais si jamais vous choisissez de mettre des polices exotiques, pensez toujours à préciser le type à la fin. Donc là, dans mon cas, je vois que la police ici, c'est une police sans sérif. Donc je lui dis, si tu ne trouves rien, utilise une police sans sérif quelconque. Au moins, ça se dégradera correctement chez les utilisateurs qui n'ont pas cette police-là. Alors après, on va parler aussi de l'alignement. Donc là, ça ne concerne plus spécifiquement les lettres, mais vraiment les blocs de texte. Donc pour spécifier l'alignement d'un texte, on va le mettre pour tous les paragraphes du P. Donc on va prendre tous les paragraphes qui sont dans Main. Pour préciser l'alignement, vous mettez un texte-align et au passage, vous voyez que votre éditeur vous autocomplète. Il y a pas mal de choses au niveau des textes. Comme je vous le disais, tout ne sert pas forcément à grand-chose. Donc texte-align et vous allez mettre soit center, soit justify, soit left, soit right. Si vous avez besoin de plus d'informations, hein, hop, n'hésitez pas à vous rendre sur DevDocs, vous tapez texte-align et vous allez avoir les différentes valeurs. Donc par défaut, les textes sont alignés à gauche.
Le texte à ligne qui peut être intéressant, c'est Justify. Automatiquement, il va mettre des espaces pour faire en sorte que on ait vraiment un sentiment de bloc de texte. Donc ça conviendra vraiment dans le cas des paragraphes. Vous avez texte Justify All, Start, End et des textes à ligne un petit peu particuliers. Mais en général, vous allez soit mettre Left, Right, Center ou Justify. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple pour notre menu de le centrer. Dans ce cas-là, on dira le header nav, on mettra un texte-aligne center. Et notre menu sera maintenant centré sur notre page. Au passage, le texte-aligne n'influence que les éléments qui sont de type inline ou inline block. Un élément de type block, lui, ne sera pas influencé par un texte-aligne. Par exemple, si vous vous dites, dans mon header, je vais mettre un texte-aligne center. Ensuite, je me dis que le header nav a une largeur de 300 pixels. Mais ce header nav, lui, il restera à gauche. Si je passe par-dessus, c'était hop, à cet endroit-là, il est bien à gauche. Il n'est pas influencé par le text align center de son parent. Il n'est influencé par le text align center que s'il est en display inline ou en display inline block. Si je le mets en inline block, hop, je verrai bien qu'il va se centrer. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça. Ne pensez pas que vous pouvez mettre un text align center et que ça va tout modifier, hein. Ça ne n'affecte vraiment que les éléments qui sont de type inline ou inline block. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de gérer comment se gère la justification. Le problème, ça va être cette dernière ligne-là. Cette dernière ligne, par défaut dans le cas des justify, est à gauche. Vous avez la possibilité de changer un petit peu le fonctionnement du justify avec la propriété justify ou texte justify. Dans ce cas-là, vous pouvez spécifier comment il va se comporter et il y a pas mal de propriétés différentes. Donc là, par défaut, hein, on voit que c'est pas mal. Une autre chose que vous pouvez modifier dans le texte align, vous allez avoir une sous-propriété qui est texte align last, qui vous permet de décrire comment la dernière ligne va se comporter. Donc par défaut, on voit que dans le cas du texte align, la dernière ligne se met à gauche. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre un texte align last et lui dire bah, la dernière ligne, je veux qu'elle se pointe à droite. Et dans ce cas-là, pouf, elle va aller à droite. Bon, concrètement, je ne sais pas pourquoi vous auriez envie de faire ça, mais vous pouvez aussi mettre justify. Bon, ça va faire super bizarre parce qu'il va mettre des espaces de fou, mais ça peut être utile pour sélectionner la dernière ligne. Bon, là, c'est un petit peu ridicule, donc je vais retirer le texte align justify. Et tant qu'on est en train de parler de cas un petit peu particuliers, on va voir le cas où on a des mots qui sont beaucoup trop gros. Par exemple, je vais écrire un long, long, long mot et je vais préciser que mes paragraphes vont avoir une largeur de 200 pixels. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de notre mot? Le mot est beaucoup trop grand et ce que fait le navigateur, c'est qu'il ne casse jamais les mots. Et on se retrouve avec ce mot qui va dépasser en dehors de notre paragraphe. Donc si on souhaite casser ce mot, on va pouvoir utiliser une propriété qui s'appelle WordWrap. Alors, même si elle est documentée sous le nom de WordWrap, elle a été renommée et elle s'appelle aujourd'hui OverflowWrap. Et on peut soit mettre normal, dans ce cas-là les mots dépassent, soit breakWord. Donc si ici je mets un overflow wrap à breakWord, automatiquement mon mot va être coupé et passé sur plusieurs lignes. Vous avez une autre propriété qui est la propriété WordBreak qui a un petit peu plus de contrôle. Alors là on va se rendre directement sur MDN parce que je vais vous montrer le tableau de compatibilité. Donc le WordBreak, on peut l'avoir en normal. Break all, ça veut dire tu casseras tous les mots, même si des mots rentraient habituellement. Donc c'est ce qu'on voit hein, par rapport à ça. Ce premier mot rentre, ce second mot rentre, mais pourtant il choisira de les casser. Le keep all, ça veut dire ben, quoi qu'il arrive, tu rentres tout sur une ligne. Et le break word, ben, ça a fait un peu le même comportement que notre overflow wrap. Le problème de cette propriété WordBreak, si vous descendez un petit peu, c'est qu'elle est actuellement dans le CSS module 3 et qu'elle n'est pas supportée par tous les navigateurs. Le support de base est commun à tous les navigateurs. Par contre, effectivement, le breakword ne fonctionnera pas sur Internet Explorer, ni Firefox, ni Edge, ni la plupart des navigateurs assez récents. Donc, c'est pas encore utilisable. Donc, peut-être plus tard, on pourra utiliser un WordBreak à breakword, mais pour l'instant, on ne peut pas. Enfin, la dernière chose que l'on peut utiliser, c'est le ifelse. Donc, le ifelse, ça y est, pareil, c'est un cas un peu particulier. On va rajouter CSS sinon on ne va rien trouver. C'est une propriété qui va vous permettre de mettre en place une césure et de mettre ce petit tiret. Donc si vous inspectez cet exemple-là, vous allez voir que
il a dans son paragraphe ici, dans ce texte-là. Alors ça se voit pas forcément sur Firefox. C'est pour ça que les inspecteurs de l'un à l'autre, ils n'ont pas forcément les mêmes comportements. C'est très 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 pénible quand on veut expliquer les choses. On voit qu'il y a un petit caractère particulier, c'est un caractère HTML qui est un dollar suivi d'un chai. Donc ce caractère, en fait, vous permet de dire là on a une césure. Typiquement, dans mon mot qui est très très long ici, dans mon index.html, je peux lui dire, bon ben là, on va avoir une césure à peu près ici, comme ceci. Si je lis mon mot, ça veut dire que si le mot ne rentre pas, il va le couper. Par contre, si le mot rentre convenablement, ce caractère ne se verra pas. Si je réactualise la page et que j'enlève la largeur de 200 pixels, on voit que ce caractère apparaîtra de manière invisible. Donc vous avez la possibilité d'utiliser ce caractère spécial ou vous avez aussi une balise qui s'appelle WBR qui vous permet de spécifier là on va avoir un retour de ligne possible et si jamais on est dans un cas un petit peu trop court, dans ce cas-là on aura un retour de ligne. Voilà, de manière générale, je préfère le chai parce que comme vous l'avez vu, il affiche ce caractère en plus, donc ça donne une indication à l'utilisateur. Donc vous pouvez piloter la manière qu'a le système de casser vos mots en utilisant un if-else à none, ça veut dire que dans ce cas-là, les césures sont ignorées. Le if-else manual, ça veut dire que dans vos mots, il va détecter si on a des dollars chai et des et commerciaux chai point virgule. Et si on en a, il va utiliser ces césures pour couper les mots. Et auto, donc c'est un truc que j'ai testé et qui marche plutôt mal pour le coup, c'est qu'il va automatiquement trouver dans vos mots les césures en se basant sur des différents dictionnaires. Donc dans le cas ici, on voit que si je prends le Firefox, il supporte le français, il me semble. Donc normalement, si vous utilisez des mots en français, il est capable de deviner où les couper. Mais d'après mes essais, ça fonctionnait plutôt mal. Et puis comme on le voit, le support des navigateurs n'est pas encore là. Donc dans le cas où vous souhaitez casser des mots, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de trop vous baser sur le CSS en forçant les cassages de lignes, mais plutôt mettez correctement ce caractère pour indiquer où les mots peuvent être cassés. Et ensuite, ben, sans forcément rien avoir, les mots se briseront automatiquement. Donc voilà pour tout ce qui a trait aux mots. Ensuite, on va parler un petit peu de tout ce qui est décoration de texte. Comme on le voit en haut, on a les liens ici qui apparaissent en blanc et qui sont soulignés. Donc tous les liens par défaut sont soulignés. Donc ce soulignement peut être géré par un text decoration. Donc on va rester sur nos paragraphes. On va peut-être enlever la largeur. Et le text decoration va prendre plusieurs propriétés. Donc si on se rend sur la documentation et on va chercher text-decoration. Donc cette propriété est une méthode raccourcie qui fait le raccourci vers trois autres sous-propriétés qui sont text-decoration-line, text-decoration-color et text-decoration-style. Donc text-decoration-style vous permet de dire là on va avoir une ligne en dessous, elle peut être solide, double, dotted, dashed, wavy. Donc ça vous permet de donner des petites apparences sympas. Le text-decoration-line vous permet de spécifier où va être la ligne. Vous pouvez n'en mettre aucune, underline, overline. Ça va être au-dessus. Line through pour un texte barré, ça peut être pratique quand vous faites une correction. Et ensuite, ben, vous pouvez en combiner plusieurs pour pouvoir avoir des trucs qui ressemblent un peu à n'importe quoi ici. Donc de manière générale, vous allez souvent utiliser le text decoration underline, simplement pour dire, voilà, je veux souligner mon texte. Et ce que vous pouvez faire dans le cas des liens, si je reviens dans mon lien, c'est mettre par défaut un text decoration underline ou carrément ne rien mettre et lui dire effectivement par contre, quand je passe sur le lien, donc le a2.over, je veux que tu mettes un text decoration et je veux que tu mettes un underline. Et je ne précise pas de couleur ni de style supplémentaire. Et ensuite, ben je précise que pour les liens, tant qu'ils ne sont pas survolés, je veux un text decoration à none. Ça veut dire je ne veux pas de décoration de texte. Dans ce cas-là, mes liens apparaîtront normalement et lorsque je passerai dessus, on voit que on a cette petite barre qui va se mettre en dessous, ce qui permet de mieux mettre en avant le texte pour les utilisateurs. Après, notre propriété, ouais, que j'aurais dû peut-être présenter au début, c'est le font weight. Le font weight vous permet de spécifier le graissage de la police. Donc vous pouvez mettre une valeur comprise entre 100 et 900 ou mettre bold, light ou des propriétés comme ça. Vous avez d'ailleurs un tableau qui vous permet de faire la correspondance au niveau de la documentation. Donc, basiquement, par défaut, les navigateurs mettent un font weight à normal, ce qui correspond à du 500, il me semble. Si vous descendez, vous avez voilà les différentes propriétés ici. 500, c'est du médium. Non, le normal, ça correspond à du 400. Si vous mettez du bold, c'est du 700, de l'extra bold, 800 ou 900.
Par défaut, les titres ici, si je les inspecte avec mon navigateur, on voit qu'on a un font weight à bold. Donc par défaut, ils ont un font weight de 700, mais vous pouvez le changer. Si je le souhaite, je peux lui dire que pour mon title, qu'est-ce qu'on l'avait déjà stylisé? Oui, ici, je peux lui dire je veux un font weight light. Et automatiquement, il utilisera, plutôt lighter, une police plus légère. Si je le souhaite, je peux carrément aller mettre une valeur numérique et dans ce cas-là, on aura le truc le plus light possible. Après, ça dépend. Certaines polices n'ont pas forcément toutes des valeurs qui correspondent. Donc là, dans notre cas, la police que j'ai choisie, je ne pense pas qu'elle est de l'ultra light. Mais de la même manière, on peut aller sur du normal, donc 400, et la police aura l'apparence normale. Ou on peut aller sur du bold, 700, et dans ce cas-là, elle apparaîtra plus grosse. Et après, on peut aller même sur de l'extra bold avec du 900. Et elle sera encore plus grosse. C'est ce que l'on appelle en général black. Donc dans ce cas-là, il faudra souvent se référer à votre maquette. Donc suivant avec quel logiciel vous travaillez, on va agrandir ça. Vous pouvez cliquer sur vos éléments et vous allez avoir le type de graissage qui est utilisé. Donc là, on voit que c'est du bold. Là, ça sera du régular. Là, du régular. Bon, ça peut être parfois du médium. Et typiquement celui-là, ce texte-là, on voit, il est très léger. C'est du light. Donc il faudra adapter et faire correspondre le graissage de police à ce que l'on a sur notre maquette. Enfin, la dernière propriété qui a trait aussi au texte, c'est le font style. Le font style vous permet de définir le style de votre police. Et là, vous avez deux styles. Donc soit le style normal, votre police a une apparence classique, hein, entre guillemets. Et ensuite, vous avez le font style italique qui vous permet de mettre votre style un peu en oblique, comme ça. Vous avez un troisième style, mais je ne l'ai jamais utilisé, et pourtant ça fait longtemps que je fais du CSS, qui est le font style oblique, mais ça doit correspondre à des polices qui ont une troisième apparence de police. Mais par défaut, voilà, vous allez avoir tous vos textes qui sont en normal, et vous pouvez les mettre en italique. C'est ce que l'on a vu avec la balise EM, la balise emphase, par défaut, met les éléments en italique. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Je vais regarder un peu sur la documentation et ce qu'il nous en reste. Bon, il y en a deux, allez, pas trop forcément utiles. Vous avez le texte, alors le texte indent, par exemple, on va le mettre sur les paragraphes. Ça vous permet d'indenter en fait d'un certain espace la première ligne de chaque texte. Donc ça peut être marrant si vous décidez d'utiliser en plus les pseudo-classes. Par exemple, vous lui dites, je veux sélectionner le premier paragraphe à chaque fois et je veux sélectionner en plus la première lettre, first letter. Et cette lettre, je vais la mettre en font weight bold pour la mettre en gras et je peux lui donner une taille de police plus grande, par exemple 25 pixels. Et dans ce cas-là, la première lettre apparaîtra en plus gros. Vous savez, c'est ce qu'on en a en général sur les livres avec un lettrage un peu particulier pour la première lettre. Bon, ça donne un peu n'importe quoi à cause de la hauteur de ligne, donc faudrait après jouer sur la hauteur de ligne pour donner quelque chose qui soit plutôt correct. Bon, c'est un peu stupide, mais c'était pour l'exemple de ce cas-là. Et le dernier truc que l'on peut utiliser, c'est le texte transform, qui vous permet de transformer en fait votre texte et de changer et de changer les textes qui sont utilisés. Donc, par exemple, vous avez un texte transform et c'est uppercase. Dans ce cas-là, ça mettra tout votre texte en majuscule. Vous avez aussi capitalize qui vous permet de mettre le texte avec la première lettre en majuscule et les premières lettres de chaque mot en majuscule, et vous en avez d'autres. Mais en général, celui que l'on va utiliser, c'est parfois le texte transform en uppercase, parce que ce qu'il faut pas faire, c'est dans votre HTML tout mettre en majuscule comme si vous criez. Si le design, et dans le design, on a choisi de mettre en majuscule, c'est plutôt le CSS qui va s'en charger. Il ne faut pas forcément changer le fond juste par rapport à la forme. Donc dans notre cas et dans notre design, il me semble effectivement qu'on a quelques parties qui vont être en majuscule. Par exemple, le nom du restaurant, cette partie-là, cette partie-là. Donc ces parties-là, on utilisera le texte transform justement pour changer la casse. Donc voilà pour tout ce qui a trait au texte. Donc je pense qu'on a fait pas mal le tour. Et ce que je vous propose de voir dans le prochain chapitre, c'est de rentrer un petit peu plus en profondeur sur les couleurs que l'on va pouvoir utiliser, mais aussi les unités de mesure. Donc ça demande plus de précision et je ne vous ai pas mélangé ça dans cette vidéo-là. Donc encore une fois, si jamais vous êtes un petit peu dépassé par toutes les balises que l'on a vues jusqu'à maintenant, ce n'est pas bien grave, on aura l'occasion de les pratiquer et de les découvrir au fur et à mesure. Donc ne vous sentez pas submergé, ce n'est pas bien grave. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.